8 et 5. Le monde des océans et de l'espace. Communication et actes de langage. Évaluation et consolidation. Page 167. Pour communiquer en français. Je m'exprime. Situation 1. En t'aidant de l'illustration ci-dessous, explique à tes camarades le rôle des océans dans le cycle de l'eau. L'océan est un dépôt d'eau. Plus d'eau est en dépôt dans les océans pour de longues périodes qu'en mouvement dans le cycle de l'eau. Les océans fournissent environ 90% de l'eau évaporée qui entre dans le cycle de l'eau. La quantité d'eau des océans change sur de longues périodes. Lors de périodes climatiques plus froides se forment les calottes glaciaires et les glaciers, ce qui résulte en moins d'eau dans les océans. Situation 2. En t'aidant de l'image ci-dessous, incite tes camarades à agir pour la propreté des plages. En adoptant quelques gestes simples, il est pourtant facile de maintenir la propreté des plages et de préserver l'environnement marin. Participez aux opérations de nettoyage. Informez-vous sur les mers et les océans. Limitez votre utilisation de plastique au maximum. Réutilisez et recyclez vos produits. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة فهذا يدعمنا كثيرا